Écoutez, je suis vraiment très honorée de vous présenter au Patrimoine National. C'est un cadeau inestimable. Es un regalo de valeur inestimable. Y se lo agradezco. Nous plantons cet arbre comme un symbole de l'amitié de notre lutte commune contre l'altération du climat. Et le président du Mexique s'est rendu hier à Marseille. Il a fait une déclaration très importante. Je pour dire tout le poids, tout l'engagement qu'il allait mettre pour que nous réussissions la conférence de Paris sur le climat. Éxito para la conferencia de Paris. J'étais particulièrement très sensible à cet engagement très fort. Parce que je suis convaincue que la déclaration qu'a faite hier votre président va avoir un écho dans toute la Méditerranée et nous comptons vraiment sur le Mexique. Alors, vous connaissez mieux que moi, bien évidemment, les origines de l'Ahuehuete, qui remonte à plus de 100 millions d'années. C'est bien plus que l'humanité. Et cela nous rappelle notre place sur notre planète et l'humilité dont nous devons faire preuve avec les autres êtres vivants là où sur cette planète. Je voudrais chaleureusement remercier le Muséum d'Histoire Naturelle qui a accepté de prendre soin de cet arbre pour les 2000 prochaines années. Et vous êtes très chaleureusement remercié. Et donc, comme c'est à vos côtés, notre coopération n'a pas qu'une seule branche, mais plusieurs. Et je formule donc le vœu que nos coopérations, comme cet arbre magnifique qui va grandir, et se multiplier, et que nous puissions nous engager pour les 1000 ans à venir, et cela de façon très irréversible. Merci beaucoup. Este árbol es uno de cuatro que estamos entregándole al gobierno de Francia con motivo de la visita del presidente Peña Nieto, visita de Estado a este maravilloso país. Por eso, porque tenemos una gran biodiversidad en México, estamos preocupados por el cambio climático y aunque somos un pequeño emisor, poco más del 1%, nuestra ubicación geográfica en medio de los dos océanos nos hace un país particularmente vulnerable. Por eso México apoya de manera incondicional el esfuerzo que Francia está haciendo para alcanzar metas muy importantes, metas trascendentes en la próxima COP que se llevará a cabo aquí en el país. En México no solamente apreciamos a Francia, apreciamos de manera muy particular a la ministra Royal, porque ella, aparte de hacer un gran trabajo aquí en Francia, ella ocupa una posición de liderazgo a nivel mundial y sin duda es una guía para todos los países del mundo en qué hacer para el cuidado del medio ambiente.